Simple, mais efficace, j'ai peut-être envie de dire. Donc, salut les amis, c'est Ultimapan et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, j'hésite quand même à dire que ce soit une découverte ou que ce soit un direct play parce que je croyais moi que ce jeu, j'ai vu des vidéos, je n'ai jamais vraiment testé, donc on va dire que c'est une découverte, hein, voilà, même si j'ai un petit peu vu ce que ça donnait. Et bordel de cul, de merde, excusez-moi du terme, j'ai vu un de ces jeux, c'est incroyable. Donc, à Tenku. Sorti sur Sharpix 68000, proposé par. Enfin, proposé, créé par. Attends, j'essaie de bien dire le nom parce qu'il. J'aurais choisi un nom encore plus long. Bon. Heitei Dora Dora. Bon, encore pas en proposition, ça va, mais. J'aurais choisi encore un nom encore plus long. Alors, je pense hein, que vu le nom, vu vraiment le nom vraiment, vraiment assez long et pas du tout reconnu d'un ton. Il me semble que c'est un dodging game. Donc dodging game, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement pour définir un jeu vidéo indépendant japonais, si vous voulez. Alors dodging, ça va dans plein de cultures japonaises, quand ce soit de la scène indépendante. Donc les dodging, des fois, c'est un petit peu des magazines qu'on te fait en parodie, en parallèle de certains mangas ou autres, hein, tout simplement. Et disons que t'as les dodging games, bah, c'est un peu la scène de l'indépendant, mais version japonaise. Et j'ai vu ce jeu, vous n'êtes pas prêts. Moi je dis, vous êtes pas prêts. Je ne dis rien, mais vous êtes pas prêts du tout. Alors on va aller dans config. J'ai jamais encore touché au jeu, donc je vais vraiment voir ce qu'il vaut. Alors, je vais mettre en mode easy. En premier lieu, parce que croyez-moi les gars, vous êtes déjà pas prêts à ce que vous allez voir. Alors pour tout vous dire, c'est un manic shooter. Oui, c'est carrément un manic shooter sorti. Vraiment sorti sur ce support, donc un micro-ordinateur. C'est quand même dingue les capacités. C'est vraiment sous-estimé, je trouve. Alors, left, donc Levi, on va en mettre 5. MSP, je sais pas qu'est-ce que c'est. Apparemment, il y a un sound test et un BGM test également. On va mettre en mode easy en premier lieu. Après, on verra pour les autres modes. Mais croyez-moi que vous êtes pas prêts, les gars. Vous n'êtes pas prêts du tout. Alors, on va tout de suite commencer. Et vous allez voir que c'est assez incroyable. Alors, stage numéro 1. Je pense pas que je vais finir le jeu. Hein. Je suis même pas sûr du tout. Autant j'ai du ski sur Shoot'em Up, autant sur les Shoot'em Up que je découvre, je n'ai rien. Alors, voyez là pour l'instant. C'est beau, honnêtement. Franchement, moi. Alors, c'est vrai que ça a l'air un petit peu. Pas flouté, des textures, tout ça. Mais mine de rien, il y a un certain grain. C'est. Pas super pour la rétine, tu vois. Mais honnêtement, moi, ça me dérange pas. Comme une autre. Comment on dit ça? Notre champ de vision se base vraiment sur le premier plan, on s'en fiche un petit peu quoi. Après c'est vrai qu'il y a des choses à mettre qui ont des très beaux décors et qui honnêtement font du bien à la rétine, mais voilà. Alors en gros, troll, j'ai cru que c'était un bonus, mais quel mongolo. C'est pas facile de commenter sur les choses à mettre, hein. Je vous dis tout de suite, c'est vraiment pas facile du tout. Donc apparemment on a donc ces petites unités qu'on peut tout simplement commander avec le bouton, enfin moi c'est le bouton X hein, de mon clavier. Et comme c'est un micro-ordinateur, bah je pense que c'est un petit peu la même chose. Donc, purée, je vous jure, c'est déjà dur. Et on est en mode easy, les gars. En même temps, bon, elles sont pas rapides des boules, mais bon, quand on a 10 000 sur la gueule, c'est vrai que là, ça devient un petit peu chiant. Donc, on tire avec le bouton Z, hein, tout simplement. Le bouton X nous sert tout simplement à commander nos petits modules, donc on peut les envoyer directement sur l'ennemi. C'est quand même vachement, vachement sympa. Et là, on peut faire ça, tu vois. Il y a plusieurs manières de commander tes modules pour tirer derrière, pour tirer devant, les attirer vers les ennemis. Tu vois? T'as plusieurs moyens de faire fonctionner tes modules. Et mine de rien, c'est quand même vachement cool. Bon, c'est pas nouveau, hein. C'est-à-dire, c'est pas nouveau du tout. R-Type a quand même. Créé un petit peu la chose. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, mine de rien. Et un shield que je ne sais pas comment je vais utiliser. Je découvre le jeu, donc j'essaie de découvrir un petit peu les commandes en même temps. Mais croyez-moi que. Essayer de découvrir les commandes dans tout ce putain de bordel, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, les gars. Alors hop, apparemment j'ai un shield one, d'accord, la barre espace ne sert à rien, barre de brevet, j'essaye de taiser les choses. Ah, j'ai appuyé sur le bouton et ça m'a fait quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ça fait quelque chose, putain, waouh. En plus l'ordinateur il est pas petit, il est pas petit du tout, c'est n'importe quoi là. Hop, parfait, waouh, jolie transition mine de rien. Alors je découvre, hein. J'avais vu rapidement des vidéos, je sais pas, une minute de vidéo et encore. Regardez un petit peu la gueule du bousin. Hein. Et vraiment là je découvre ce que ça donne, c'est génial.
Bon, des fois l'émulateur il fait des petits drops, mais c'est pas parce que. Allez, mon PC c'est de la merde ou autre, hein, bon, non. Mais dis donc, voilà, l'émulateur, bah c'est l'émulateur, hein. Il essaye de faire comme il peut. Mais là, je trouve que ça tourne même très très bien, honnêtement. Mine de rien, avec tout le bordel qu'il y a à l'écran, des fois tu confonds le tir des ennemis avec vraiment le décor et tout. C'est un petit peu compliqué tout ça, mine de rien. C'est un petit peu l'erreur que tu dois pas faire en faisant un Danmaku, hein. C'est confondre le tir et un peu l'agglomérer avec le décor et tout ça. C'est un petit peu divisé tout ça, tu vois. Enfin, il est détruit. Mine de rien, bien designé le vaisseau. Oula, il s'ouvre en deux. Oui. Ok, oh. Tu vois, ça c'est un détail que j'aime bien. C'est le souci du détail que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc stage 1 clear. Nice. Bon, en même temps, c'est en mode facile, donc c'est vrai que j'ai pas trop de mérite là-dessus, mais bon. On va tester un petit peu après ce que ça donne déjà en mode difficile et en mode shooter, pourquoi pas. On verra. En tout cas, je vais vous partager ce jeu, il m'avait l'air cool. Ah par contre, ouh, le décor là. Pff. Ouais. Alors, autant je suis de dire que on s'en fout un petit peu du décor dans. Putain. Non, je suis de Zemup. Mais là, honnêtement, faut pas déconner. C'est pas super beau. Hein. Après, je peux éventuellement pardonner parce que c'est un jeu indépendant et que bon, le budget est un petit peu plus restreint que d'habitude, mais voilà quoi. Quand même. Ah, je vois qu'on peut quand même se baisser à un certain niveau. Ouh, ah ouais. T'as quand même un certain arc pour te diriger. Qui fait vraiment le petit café. Allez, l'OST est génial aussi. L'OST est vraiment vraiment sympa. Hop. Petit power-up. Je vais vraiment essayer de récupérer tous mes power-up au possible. Oh. Par contre, le vaisseau se manie très très bien. Ça, je tiens à le dire. Le vaisseau, il fait le café aussi. En lui-même, il fait vraiment le café. C'est un truc de malade. Là, tu peux vraiment aller haut et vraiment aller bas. Un truc de dingue. On va essayer de diriger un petit peu mes unités, mais avec tout ce bordel, c'est compliqué. Du coup, je vais de plein de façons comme ça, hein, quand même. C'est bien foutu. Ah, ok, elles balayent l'écran carrément. Ouais, mais elles sont plus avec moi, du coup. Et du coup, si tu veux faire un petit ravage à l'écran, bah voilà. Tu vois ce qu'il faut. Ah, ouais. Elles deviennent vraiment indépendantes d'elles-mêmes, du coup. Wow. Et je vous jure, avec tout ce bordel à l'écran, j'ai failli ne pas voir le tir qui était destiné à ma gueule. Alors qu'il y a plein de manic shooters auxquels, bah. Je vais dire que c'est un peu mieux foutu, hein. Et que honnêtement, bah. Je vois un petit peu ce qui se dirige vers moi et je sais un petit peu différencier ce qui est des tirs ennemis de mes tirs et les tirs. Enfin, les choses sur le background. Bon, tu vois. Enfin, les choses, je veux dire le décor. Ouais, waouh. Oula. Non, ça va. Je l'ai pas trop mal dosé. Ça va, ça va. Bon, ça a senti un petit peu le mini-boss, ça par contre, non? Ouais, je me disais bien. Oula. Ouh, j'avais pas vu. Ça me fait penser à quelque chose, ça, rapidement. Je sais plus quoi. Oh. D'accord. Ok. J'espère que. Non, putain. Bon. Tant que j'aurai des ennemis sur la tronche, que ça va pas arriver en même temps. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, ma foi. Mais elle est bonne, cette OST. Mon dieu. D'ailleurs, faut savoir que le jeu est en deux disquettes aussi. Je tenais à le préciser. Je me concentre, hein. C'est pour ça que je dis plus rien. C'est assez compliqué tout ça. Là, je tourne cette vidéo, il fait super chaud en plus. Quasiment 29 degrés dans ma pièce. Oula, waouh, waouh, waouh. Ou le X. Oh, il était pas mal, le TRX. Ah mais qu'est-ce que je déteste ces boulettes là qui restent en place, qui restent vraiment statiques, en mode plop, je reste là. Il n'y a rien de mieux pour te piéger. Hop. Voilà. C'est plutôt parfait comme ça. Toi. Non.
Oula, wow! Par contre, il y a un petit peu du plagiat de Gradius hein, là-dedans. Il y a un petit peu de plagiat de Gradius 3, j'ai envie de dire. Et pas que du 3. Mais par contre, ouais. T'es pas très fort, hein? Oui, non? Non. Effectivement, t'étais pas très très fort, mon gars. C'est pas grave. Je sais pas si on va finir le jeu. Je sais pas s'il y a des continuer sur ce jeu. Mais on est bien parti. Mais en même temps, je suis en mode facile. Je suis en mode facile. Donc, honnêtement, appeler ça un super play, bah non. Non. J'aurais pas d'honneur. J'aurais clairement pas d'honneur. Alors. Ouh, un certain effet de perspective en ce décor qui est, ma foi, plutôt bien fait. On va rester un petit peu, on va essayer d'écouter un petit peu la musique. Oh, les sacs à PV! Mais. Au secours! Mais là, les sacs à PV! Ah d'accord, ça nous force donc à utiliser d'autres capacités de nos modules. D'accord, d'accord. Au moins c'est bien foutu à ce niveau-là, tu vois. Ça te force un petit peu à utiliser plus le gameplay qu'on ne le pense, et honnêtement c'est pas trop mal. Je pense que ça sert à rien de reprendre les petits power-ups parce que je pense être au maximum, hein, me semble-t-il. Ah mais ça fait tellement le carnage ça. Waouh. Une quantité. Je me contentais, pardon, d'esquiver des petites boulettes sur l'écran. Ah mais ça a son putain de charme ce jeu. C'est vraiment très très sympa. Waouh, les tirs croisés. Ok. Waouh. Putain. Non mais. Non mais c'est Gradius là. C'est Gradius. Oui, d'accord. C'est fucking Gradius. Je pense que c'est même pas une inspiration. C'est vraiment du plagiat de sprite, ça. Non, parce qu'il était quelque chose, lui, avec ses tentacules. Non, par contre, monsieur le développeur, t'as peut-être fait vraiment un bon manic shooter horizontal. Mais question, inspiration, tout ça, fallait peut-être un petit peu trouver mieux, hein, mon grand. Un petit peu déçu sur le coup. Mais bon, déception rapide, hein. Je tiens au moins à le préciser. D'accord, j'ai pris un petit peu sur la gueule, j'ai l'impression. Ok, alors, il se protège avec ses tentacules, j'ai l'impression. Comment on va faire? Peut-être en les envoyant comme ça, non? Effectivement, c'est la bonne solution. Waouh! Ouh! Oula! D'accord. Ok, j'ai trouvé la bonne solution, mais... j'ai failli me faire ouvrir un petit peu en deux. Et là, je viens de me faire ouvrir en deux. Complètement, effectivement. Ok, waouh, oula, ok. Holy shit. D'accord, ah il rigole pas lui en fait. Ah oui. Quoi? Attends. Non. Attends. On va juste regarder un truc. Continue. D'accord, j'ai eu peur. Bon, apparemment, on a des continues illimitées. Honnêtement, ah, je dis ça parce qu'il n'y a pas de chiffre à côté du continue. Donc, allez supposer qu'on a des continues illimitées. Par contre, je vois qu'on reprend vraiment le score à zéro. Donc, bah, comme tout bon shoot'em up, hein, qui se doit, c'est vraiment du gros jeu à scoring. D'accord. Je bug un petit peu dans ce que je dis. Parce que, mine de rien. Comme je l'ai dit, hein, c'est pas facile de commenter un shoot'em up. Et encore moins Danmaku, mon dieu. Enfin, commenter un Danmaku quand je suis hors play, ça va, évidemment. Mais bon, quand je suis en full play, là, comme ça, c'est un peu plus difficile, mine de rien. Esquiver les boulettes, vous commenter et vous dire mon appréciation en même temps. Pas choisi, c'est waouh. Wow. Ouh, joli. Par contre, faudra peut-être me dire un jour, qu'est-ce que c'est que le One? Parce que tu vois, je vois la barre de shield, ok, c'est pas de souci.
Cependant, la barre One Off, je sais pas qu'est-ce que c'est. Visiblement, je suis en One, bah, quand j'ai le bouclier plein. Et j'ai vu que malgré que j'ai eu le bouclier, bah, ou le shield enlevé, bah, c'était resté en mode One, tu vois. Donc c'est un petit peu bizarre, mine de rien, je ne comprends pas trop. Une capacité spéciale. Oh, mais oh merde. Je suis pas le plus avantagé là par contre. Hop. J'ouvre. Ok. Alors lui, il a quand même pas mal de patterns. Hein. On a vu un petit peu ça. Et au moins, on nous oblige à utiliser un petit peu nos modules pour détruire ces patterns. Ça, c'est quand même pas trop mal aussi. Il n'y a pas un bouton secret quelque part qui active des explosions, je sais pas trop quoi. Je me pose la question, hein. Je me pose juste la question rapidement. Ok. Alors, faudrait quand même que je fasse attention au bout d'un moment parce qu'il va envoyer ses espèces de faisceaux laser au bout d'un moment. Il ne prévient pas du tout quand il fait ça. Il est en mode total random, donc je préfère préconiser et faire attention là, comme par exemple ici. Et effectivement, c'est quand même beaucoup mieux. C'est là qu'il va faire. C'est là, ici. Ok. Wouah! Wouah! Ok, ok. Il déconne zéro, le boss, en fait. Ou c'est un mini-boss, je sais pas. Ouh, regardez, il me suit l'autre. Regardez-le, il me suivait. De pied à talon, il me suivait. Énorme. Ok. Non mais franchement, créer des patterns comme ça et bien foutre le boss, hein, mine de rien. Ok, c'est de la repompe de sprite totale de Gradius. Je suis d'accord. Cependant, je sais pas s'il était comme ça le boss de Gradius. Mais mine de rien, il y a un certain charme. Ah non, c'était pas un boss, c'était un mini-boss, s'il vous plaît. Donc j'ose même pas imaginer la gueule du boss, effectivement. Wow. On est dans une bonne position là, visiblement. Oula. Oui monsieur. Oula. Ok, ça vient de derrière, j'ai l'impression. Ok, donc on va préconiser de le tirer par derrière, même si je me suis fait ouvrir un petit peu le fion en deux. Ok. On va préconiser peut-être de le tirer un petit peu derrière, je pense. Au cas où. Pas vraiment pour l'instant. Joli scoring d'ailleurs. Plus de 100 000 points. Enfin bon, je dis joli scoring, mais bon, quand on voit un petit peu le top ranking du jeu, c'est pas vraiment le plus fort que j'ai pu accomplir. What? Qu'est-ce que c'est que tous ces ennemis qui viennent d'un coup? Ouah, mais... J'ai survécu, mais grâce à un miracle, hein, je sais pas pourquoi. Alors, visiblement, là, c'est le boss. Oh, purée. Oh, bon sang, bonsoir. Bon, là, j'ai mon shield de désactivé, donc je dois faire vraiment attention. Ouf. C'est ça, le souci du jeu, je pense. Hein. Vraiment, le gros souci du jeu, c'est que tes tirs se mélangent, mais vraiment au tir des ennemis. Du coup, mais t'as du mal, mais du mal à différencier les deux. C'est assez ahurissant. Ah, c'est bien. Quoi? Il est déjà mort? On a plus galéré sur le mini-boss que le boss en lui-même. Enfin, je dis pas il était fort, le boss a été fort aussi, hein, c'est parce que je dis, mais quand même... Je trouve qu'on a beaucoup plus galéré sur le mini-boss qu'autre chose. Bon, on va continuer. Hein. Écoute... Si on finit le jeu, bah c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais bon, ça m'étonnerait beaucoup. Après, j'ai pas été voir véritablement la durée exacte du jeu. S'il dure une heure, s'il dure 50 minutes, s'il dure 25 minutes. Hein. C'est tout à fait probable. Mais bon, on sait jamais. Oula, ouais. Là, on voit que ça commence un petit peu à piquer. Hein. Et encore, hein, je suis en mode facile. Je retiens à le préciser. Là, on a vraiment des petites bases hein, du Danmaku. Je veux dire, par exemple, dans d'autres Danmaku, de... Hop, voilà, hop,
D'autres Danmaku comme Cave, hein, on voit vraiment que c'est la base de la base. Hein. Parce que moi, personnellement, je vous ai déjà dit, hein, sur des vidéos de Danmaku, j'ai beaucoup plus l'habitude sur des Danmaku verticaux qu'horizontaux. Horizontaux, croyez-moi que malgré la difficulté de n'importe quel Danmaku horizontaux, j'aurais toujours du mal. Mais genre, toujours du mal. Oh là, waouh. C'est vraiment ce qu'on appelle balayer son tir. Hein. Ah waouh. Ah oui. C'est bien. Ouais, peut-être que je récolte multiple power-up. Ce serait pas trop demandé. Enfin, ce serait pas trop de refus non plus. Sûr. Ok. Apparemment, là, je suis remis à plomb. Visiblement. Il faudrait vraiment que je sache c'est quoi ce one, en fait. Oh, après, peut-être que je me casse un petit peu la tête, hein. Peut-être que... Oula, oui. Peut-être que je me dis que c'est normal et que c'est visiblement... quelque... Ok. Que c'est le... Bah, le chien, hein, tout simplement. Oh, excusez-moi, là. J'ai eu du mal, mais tout dingue. Mais croyez-moi que c'est dur, purée. Oula, oula. Or, toi, j'ose même pas t'imaginer en mode shooter, hein. Or, toi, mon grand, tu m'as l'air compliqué à ce fuck. Ah oui, d'accord. En fait, c'était lui qui m'envoyait ça depuis le début. Oui, bonjour. Attends, je dois traverser au bon moment. Évidemment, j'ai pas traversé au bon moment. Bien joué. Mais au moins, là, je vois un manic shooter réussir. Parce qu'on voit que les tirs sont bien prédéfinis. C'est pas... Tu vois, t'as toujours une fenêtre pour t'échapper. Mais au moins, c'est bien prédéfini. C'est bien foutu. Et moi, je suis content. Bon, on va arrêter de faire des continues. Sinon, je vais tenter de faire la fin du jeu. Et c'est pas vraiment mon envie via cette vidéo. On va tester le mode Trace. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, on va découvrir en même temps. Allez, here we go. Oui. Oula. Ah, d'accord. Ah, alors, les amis, je ne joue pas. Là, tu vois, je ne touche pas au clavier, je ne fais rien du tout. Donc, éventuellement, comment faut-il prendre ce mode? Bah, moi, je pense qu'il faut prendre ce mode comme une vidéo un petit peu tutoriel de comment réussir le niveau et comment avoir telle ou telle technique pour maîtriser les terres des amis, tu vois. Donc, non, mais en fait, non. Parce qu'il vient de crever devant mes yeux, donc voilà. Oh, c'est peut-être un mode démo, quoi. Enfin, je sais pas comment interpréter ça, en fait. C'est peut-être... Tu vois, c'est toujours le genre de démo qui se joue, peut-être, hein, quand tu restes trop longtemps sur l'écran d'accueil, des trucs comme ça, tu vois. Moi, je pense que c'était un mode qu'on a ajouté, juste pour l'ajouter, comme ça, tu vois. Genre, voilà, t'attends 2-3 écrans titres, t'as un gameplay qui se joue. Et là, bah, c'est le bouton raccourci pour le faire jouer. Je pense que c'est plutôt ça. Non, parce qu'une vidéo Solus où le gars meurt après 20 secondes, bon, voilà, c'est... Ouais. Je vais pas blâmer non plus, mais bon. Parce que, bon, le geste est là, mais voilà, quoi. C'est pas trop top non plus. Mais éventuellement, c'est quand même sympa à ajouter. C'est un petit plus, quand même. Ok, bon, ça c'était le mini boss. Je crois toujours que c'est un boss. Non, mais en même temps, vu la taille du bousin, je crois toujours que c'est un boss, hein. C'est dingue. Alors, je vais quand même regarder jusqu'à la fin du stage, parce que, mine de rien, ce serait marrant, mais vraiment marrant, qu'il aille jusqu'à la fin du jeu. Tu vois? Genre, si je voulais vous inventer un super play, bah moi, je clique sur continue, je fais un montage vidéo, et en fait, c'est ça qui joue. Tu vois? Pour être un gros connard, non, même pas. Vous aurez un super play du jeu un jour, hein, clairement. Et on va essayer de bien faire la chose, hein. Parce que mine de rien, ce jeu est quand même bien compliqué. Même en mode easy, je galère sur un certain passage. Mais bon, on verra un petit peu après ce que ça donnera en mode shooter. J'ose même pas imaginer. Mais mine de rien, c'est sympa à prendre en main, c'est fun, c'est intuitif. Il y a pas mal de bonnes petites fonctions. Après, j'ai pas tout compris visiblement en jeu. Mais mine de rien, ça peut quand même être vachement sympa. Donc là, effectivement, c'est le boss.
qui va se faire tuer en 2-2, je pense. Ah oui, il fait comme moi, là, tu vois. Il aligne de façon horizontale les tirs. Bon, en soi, ça ne sert à rien, mais c'est toujours un petit peu cool, quoi. Le truc qu'il faut faire avec les boss, moi, que je vous conseille, c'est de vous rapprocher, en fait. C'est vraiment de vous rapprocher un maximum de l'ennemi. Et comme ça, bah, t'as la fenêtre de reload de tir qui va se recharger automatiquement et plus rapidement, en fait. Et du coup, tu auras beaucoup plus de tirs que tu foutras sur la gueule de l'ennemi. Là, esquiver, attention, faire le second stage. Suspense. Putain, ouais. D'accord, ok. Alors, on dirait que c'est le geste qui compte, hein, mais quand même. Oui, c'est gentil, mais bon. Voilà, moi je suis pas trop fan non plus, en fait. Alors, apparemment, je ne peux même plus reload de retourner au menu. Donc, on va faire un redémarrage complet, hein. C'est pas trop grave non plus. Et donc, on va tester rapidement ce que ça donne en mode shooter. Oui, je suis quand même un gros malade. Le mec, il passe du mode easy au mode shooter direct. Il veut même pas tester le mode normal, il veut même encore moins tester le mode difficile, non, il veut le mode shooter. Ah, on va voir ce que ça donne, et après on quittera donc sur cette bonne note. Alors config, shooter, joypad, deux boutons c'est toujours bien cool mine de rien, et start, tout simplement. Mon dieu, je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer à l'écran. Pray for me les gars. J'ai un petit peu peur là. Donc voyons ce que ça va donner. Maintenant je vais tenir. Oh, encore ce sera un shoot 'em up vertical, je dis pas. Mais mine de rien, horizontalement parlant, j'ai beaucoup plus de mal devant ça, je vais pas vous réexpliquer ce que j'ai dit. Par rapport à ce sujet là. D'accord, ok. On voit déjà que c'est quand même beaucoup plus de maîtrise du niveau. Beaucoup plus de maîtrise de l'IA des ennemis. Alors je pense que je vais avoir un mal de chien à parler, parce que mine de rien, avec tout ce qu'il y a à l'écran. Surtout que je découvre, hein, c'est ça le pire. Hein. Surtout que je découvre, donc tu m'étonnes que ça va être assez compliqué. Et surtout que les tirs se mélangent au décor, mais bon, ça vous le savez déjà. Vous savez déjà mon avis dessus, les amis. Ok, hop. Waouh, ok, le jeu il lag à mort. Ah oui, d'accord. Wow. Ouh là 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 là, ah oui. Ah oui, ok. Ok, le jeu il lag à mort quand il y a plein de choses à l'écran, il lag à mort. Bon, d'un côté ça me rassure, parce qu'au moins ça me permet d'éviter les tirs ennemis à certains moments. Mais quand même. Oula, ouf. Ouh, il rigole beaucoup moins, lui, du coup. Waouh. En plus, t'as des ennemis qui se ramènent. C'est ça le pire, hein. C'est quand... En fait, en soi, le boss, ça va. Mais le pire, c'est que quand tu as des sbires casse-couilles qui viennent par derrière, c'est le pire, ça. C'est le pire. Oh, c'est vraiment le pire qui puisse arriver. Voilà. On se met de l'esquive. Putain, ça va pas tenir longtemps. Bon, si je finis déjà... Le premier stage, bordel. Je serais quand même content. Mais waouh, ah oui. Alors, je comprends pourquoi c'est shooter mode. Hein. Waouh, d'accord. Okay, ok, 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 ok. J'ai pas vous, j'ai l'impression qu'ils prennent plus de temps à mourir, les gars. Ils prennent beaucoup plus de temps à mourir, les vaisseaux. Oh, mais c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse de faire ça, les gars. J'ai pas l'impression qu'il était détruit. En plus qu'il a disparu. Enfin, je sais pas trop quoi. Mais... Oh non! Oh, je me suis... Alors ça, je suis dégoûté. Parce que, en vrai, mourir un boss, c'est raisonnable. C'est noble. Mourir à un tir random d'un ennemi random, ça, je suis quand même moins d'accord. Je vais réessayer. Et après, on s'arrêtera là. Mais là, non. Mourir à un random de merde, je n'accepte pas ça. Ma défaite n'est pas digérée quand je sais ça. Donc on va réessayer et on va finir sur une bonne note. Voilà, on va essayer. Ouais, je vais essayer de me taire un petit peu plus pour mieux me concentrer.
Et le shield aussi. Qu'est-ce qu'il fout le shield? Ça lag as fuck. Je suis déjà mort. Non mais ça va pas être mieux que ma partie de tout à l'heure. Hein. Ça va pas être mieux hein, cette session. Pas du tout. Le shield il prend 10 ans à se charger. C'est un truc de malade mental. C'est incroyable. Ça va être le mini-boss. On va le mettre ici. Ouh, ouh. Oh, c'est la meilleure chose que je puisse faire, là. Ok. Ah, mais c'est parfait. Vous voyez, ça, quand tu envoies tes unités directement dans la hitbox, mais vraiment directement dans les hitbox de l'ennemi, c'est parfait. Tu vois, là tu sais que tu tiens un bon truc. tu tiens le bon bail pour défoncer la gueule du mini-boss. Ou du boss, hein. Ça peut arriver à certains moments. Je joue également le boss. C'est tellement une jouissance de faire ça. Ouh. Ok. J'allais dire, j'ai pas eu chez lui, mais si. Je ne les tire bien il y a plus longtemps, j'ai l'impression, non? Je sais pas, peut-être une impression. Et effectivement, si je fonce sur les ennemis, c'est sûr que ça ne va pas tenir longtemps. Hein. Ça, c'est même une certitude. Oula, 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 oula. Alors, c'est déjà au premier stage, c'est comme ça. J'imagine même pas le reste. Tellement pas. Ah ouais. Ok. Donc déjà le premier boss, il ne rigole plus du tout, effectivement. Waouh! Oula, oula, j'avais même pas vu les terres roses. Oula, oula, oula. Si on réussit le boss, je serais content, mais je suis même pas sûr. Oh non. Non, bon bah, ce sera tout, hein, les amis. Oh là là. Ok. Alors ça, c'est des jeux que j'aime. Des jeux qui t'offrent un challenge, mais exquis. Vraiment exquis, hein. C'est vraiment le mot que je trouve. Et qu'on voit que, bon, malgré les certains défauts que l'on peut confondre avec les sprites des tirs ennemis avec tes propres tirs, je pense que ça peut être une habitude des yeux que tu dois prendre futurement. Et moi, éventuellement, si je devais doser un petit peu plus le jeu, si je devais déjà trouver le temps, et ben honnêtement, bah je dis pas non à le doser, et pourquoi pas vous en proposer un super play, un de ces quatre. Et ben, écoutez... Pour un jeu indépendant, je suis bluffé. Honnêtement, je suis bluffé. Je sais que t'as des gens qui ressortent, je sais pas combien de temps après l'année de... Comment dire ça? Bah après que la Mega Drive, par exemple, ait arrêté ses productions de vente, tout ça, bah je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui te font des jeux plus tard, genre 20 ans après la Mega Drive, ils te refont des jeux et tout. Et vraiment, c'est sympa. C'est sympa, t'as toujours des gens qui font ça. Et moi, j'ai l'impression de voir ça. Alors, ça sent le jeu indépendant. Je peux me tromper encore une fois. Mais ça sent véritablement le jeu indépendant. Parce que Heitei Doradoras, ça s'apparente plus à un pseudo qu'à un nom de studio. On est d'accord, je pense. Donc, ma foi, je pense que vraiment, moi, je peux féliciter grandement l'effort qui a été fourni par rapport à ce jeu. Déjà... Coder un manic shooter sur un micro-ordinateur avec tous ces tirs présents à l'écran, c'est assez fou. Même si ça laguait tout ça, bah moi je peux comprendre via les capacités de l'époque. La capacité par exemple de la mémoire vive et tout, bah c'était assez chaud de représenter un jeu qui ne laguait pas comme ça sur un micro-ordinateur. Et mine de rien, bah je suis quand même content du résultat qui était vraiment donné, qui est vraiment très sympa. Allez, sur ce, je vous dis un grand merci d'avoir vu cette vidéo, c'est tout Team Epon, et maintenant tout le monde pour de futures vidéos, les amis, ciao bye bye.